Nouveau match de foot aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Avec une première donnée, c'est Pierre que ce match va se jouer sous la pluie. Oui, attention au ballon glissant, attention au mauvais cramponnage et prise de balle risque d'être délicate, notamment pour les gardiens. Cette rencontre va nous permettre de suivre Lorient face au FC Metz. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur du FC Lorient. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons, plus classique. Je vous laisse découvrir le 11 de départ du FC Metz. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Ah ouais, c'est une bonne patte. Ouais, très beau tacle, il a sûrement évité une grosse occasion de but. La frappe. Oh, le but, magnifique. Tir à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. Et cette rencontre qui s'emballe depuis quelques minutes. Qui nous montre le but avec une autre caméra. Ah, c'est dommage pour le joueur qui filait. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Oui, bien réfléchi quand même, on dirait. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Ouais, c'est bien dosé ça. Farid Boulaya. T'es sûr, il a dû en mettre des plus difficiles. Hein. Celui-là était vraiment très simple. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Le réalisateur qui nous remontre ce but. L'arbitre qui met la main à la poche, carton jaune. Maintenant, il va jouer avec cette menace au-dessus de la tête pendant tout le match. Ce sera donc un coup franc suite à cette intervention. Il s'est ouvert le chemin du but. Ouais, la tentative. Et il marque. Aucune chance au gardien à bout portant. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui parse le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Il va y avoir un corner. En deux temps, peut-être ce corner. Ce ballon qui est dégagé. Tacle. Sur ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Gaëtan Courté. Ouais, quel but, magnifique. C'est toujours bon à la prendre, même si ça ne change pas le verdict de ce match. C'est vrai qu'à cette distance, c'est quand même plus facile. Ah, même toi, tu l'aurais énervé. Moi, peut-être pas, mais toi, oui. Le réalisateur qui nous remontre ce but.
entraîneur du FC Metz, qui va faire entrer un joueur frais. Un changement qui va peut-être obliger l'autre équipe à s'adapter aussi, on va voir. Entraîneur du FC Metz, qui va faire entrer un joueur frais. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant, qui va gagner un peu en temps de jeu. Ah oui, la bonne passe. Oh oui, la bonne option. Farid Boulaya. Oh, ça va être dedans. Bon, là, ils sont complètement démobilisés, là. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. But vraiment parfait dans sa conception, on fait tourner, on ne se précipite pas. Du coup, il y a cette ouverture limpide et le buteur qui mystifie le gardien en 1 contre 1. C'est un but qui leur permet de prendre leur distance au tableau d'affichage. Oh, que ce but va leur faire du bien, je crois qu'ils vont vraiment se sentir libérés. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé.